Excusez-moi. Monsieur Jensen, c'est ça? Monsieur, vous avez ce dîner de charité? Juste un instant, Isaias. J'espérais tomber sur vous, monsieur Jensen. Bill Taggart. Le fondateur du Front pour l'Humanité. Je sais qui vous êtes. Oui, oui, j'imagine. En tant que chef de la sécurité pour David Sarif, vous devez avoir tout un dossier sur moi. Mais je vous assure, monsieur Jensen, que les récents événements m'ont bouleversé. Ah oui? Je ne soutiens pas ce que vous et votre entreprise faites de l'humanité. Je crois même que c'est très dangereux. Mais je vise à obtenir l'interdiction des technologies d'amplification humaine par des voies strictement légales. Très bien, c'est noté. C'est votre premier jour de travail depuis l'accident d'il y a 6 mois, n'est-ce pas? Monsieur, nous devons partir. Ce qui s'est passé n'avait rien d'un accident. Ah, excusez-moi. Ça a dû être dur de devoir faire face à un deuxième incident aussi vite. J'imagine que cela a dû raviver des souvenirs déplaisants. Merci de vous en préoccuper, monsieur Taggart. Mais j'étais tout à fait apte à y faire face. Je suis psychologue, monsieur Jensen. Et je sais quand un homme se cache derrière des mots. Le corps guérit, mais l'esprit, lui, peut montrer plus de résistance. Vous devriez y réfléchir. Maintenant, si vous voulez bien avoir l'amabilité de nous excuser. Quelque chose m'intrigue, monsieur Taggart. Qu'est-ce que ça vous rapporte de venir ici cette nuit? Je pensais que c'était pourtant évident. Votre entreprise a été la cible d'une attaque odieuse. Cette violence et le bain de sang qui en a résulté, tout cela doit cesser. Mais je crains qu'il faille attendre que les hommes sages et de bonne volonté se mettent d'accord. Sur quoi? Sur l'avenir, monsieur Jensen. Cette technologie d'amplification menace de modifier le cours de l'évolution humaine, de transformer l'idée que nous nous faisons de l'être humain. Vous croyez que les gouvernements peuvent s'abstenir de légiférer? On ne peut pas arrêter le progrès, monsieur Taggart. Peut-être pas. Mais on ne peut pas non plus se contenter de regarder les choses se faire d'elles-mêmes. Pas quand on a les moyens, la volonté collective et la clairvoyance pour l'influencer. Je vois. Merci de m'avoir illuminé de votre savoir. Avec plaisir. Ravi d'avoir eu l'occasion de parler avec vous, monsieur Jensen. Ce fut une rencontre très... Patron, je dois vous parler. Y a un problème? Je sais pas. Avez-vous installé un accès privé au réseau qui contourne le pare-feu juste avant de m'engager? Et qui ça, moi? Pritchard dit que quelqu'un l'utilisait déjà pour pirater notre réseau avant la première attaque. Les mesures de sécurité qu'on a prises, lui et moi, ne l'ont pas arrêté, parce qu'on ignorait tout de l'existence de cette faille. Ah, je vois. Mais Frank s'est occupé de tout ça, non? Maintenant, oui. Mais pourquoi ne lui en avoir jamais parlé? Frank est parano, Adam. Vous le savez bien. Je suis toujours très occupé. J'ai dû oublier. Vous avez fait transiter des masses de données par ce port, patron. Juste avant de me recruter. Pritchard est peut-être parano, mais j'avoue, moi aussi j'aimerais savoir ce que c'était. Oui, pas étonnant pour un ex-policier. Mais le plus important, c'est que la faille a été colmatée. Notre réseau est sûr. Et les informations que vous avez récupérées dans ce camp de la FEMA pourraient nous aider à remonter jusqu'à ces gens. Alors, ne perdons surtout pas de vue l'essentiel. C'est vrai, vous avez raison. Et la parano de Pritchard, elle déteint peut-être sur moi. C'est juste que la coïncidence est étrange. Juste avant de m'engager, vous croyez vraiment que ça peut être une coïncidence? Je comprends que vous soyez suspicieux, vu tout ce qui s'est passé ces derniers temps. À vrai dire, j'ai eu beaucoup d'autres soucis en tête. Je m'efforce de préparer l'avenir de toute l'humanité. Et les petits problèmes de sécurité sont secondaires quand les gens comme Bill Taggart guettent mon échec. Vous êtes mon meilleur guerrier, Adam. Et j'ai confiance en vous. Parce que je sais que votre loyauté ne faiblira pas quand il s'agira de lutter pour l'avenir. Parce que là est bien l'essentiel, n'est-ce pas? L'avenir.
Je crois avoir fait mes preuves aujourd'hui. Et la seule raison pour laquelle je m'inquiète de cette faille maintenant, c'est que les données en question pourraient avoir été interceptées, copiées et utilisées par les hommes qui nous ont attaqués. Et ils pourraient encore essayer de les utiliser contre nous. Avant tout, je n'attaquais pas votre intégrité. Mais vous ne croyez pas que vous poussez un peu loin la paranoïa, Adam ? Désolé d'être aussi direct, mais franchement, il y a un grand nombre de choses dans cette entreprise que je ne peux pas partager avec vous. Des choses qui ne vous regardent pas. Je nous vois tous comme une grande équipe, mais au final, je dois décider de qui a accès à quoi. Et dans le cas présent, vous allez devoir travailler sans ces informations. Quand elle m'a parlé de vous, Megan m'a dit que vous l'accepteriez. Maintenant, prouvez-moi que c'est vrai. Patron, je n'ai jamais voulu... Écoutez, si vous voulez, je laisse tomber. Mais quand vous décidez de mêler Megan à tout ça, ça me rend tout de suite plus agressif. Oui, je comprends, Adam. Je suis désolé. Les données qui vous rendent tellement nerveux ne sont rien de plus qu'une simple recherche préliminaire standard, le genre de choses que je vois passer tous les jours. Megan m'avait mis sur une piste et je l'avais suivie, c'est tout. Et maintenant que vous savez tout ça, je vous le demande. En quoi tous ces détails peuvent bien vous aider à mieux assurer notre sécurité ? Vous ne me croyez pas capable de m'occuper de ça tout seul ? Patron, désolé que vous trouviez que c'est une perte de temps. Je veux juste éviter que quelqu'un d'autre soit blessé à cause d'infos que je n'aurais pas eues. Mais si vous êtes certain qu'il n'y a aucun danger et que ces données ne peuvent pas revenir et se retourner contre nous, alors ça me suffit. Content de le savoir, Adam. Avec tout ça, je commençais à en douter. Je vous ai dit tout ce que vous aviez besoin de savoir, et nous avons des problèmes plus urgents. Alors concentrons-nous un peu. Ça y est, on a fini ? Parce qu'il nous reste encore à parler stratégie. Tenez, c'est pour vous. Un passeport d'entreprise, avec vos données biométriques chiffrées. J'ai déclaré un faux plan de vol qui devrait vous permettre d'atteindre l'île d'Aïncha sans problème. Vous m'envoyez en Chine ? Et la FEMA ? La FEMA n'a rien à voir dans tout ça, croyez-moi. La piste chinoise est plus intéressante. Comment pouvez-vous dire ça ? J'ai vu de mes yeux le type qui a tué Megan évacuer cette base. J'ai même tué un de ses lieutenants dans l'entrepôt souterrain. Je sais ça, Adam. Franck a suivi toute votre intervention. Et je sais donc aussi qu'avant de mourir, cet homme vous a donné une adresse en Chine. C'est là que je vous envoie. Ça n'a aucun sens. Écoutez, Adam, il y a une raison derrière les attaques contre cette entreprise. Vous pensez que ça a à voir avec le projet Typhoon ? Ou un autre projet militaire secret dont je ne vous aurais pas parlé ? Ça m'a traversé l'esprit. Eh bien, vous vous trompez. Les travaux que menaient Megan et son équipe avant d'être tués allaient révolutionner la condition humaine ! Cette entreprise, Sarif Industries, allait précipiter l'humanité vers une nouvelle phase de son évolution. L'évolution auto-contrôlée. Vous imaginez à quel point certains peuvent le craindre ? Bien sûr. Et aussi à quel point ça pourrait s'avérer lucratif pour d'autres. Pour moi, l'argent n'a jamais été l'essentiel, Adam. Mais vous avez raison. Il y a des gens pour qui ce n'est pas le cas. Comme ? J'espère bien que c'est ce que vous découvrirez en Chine. Alors en route ! Farida prépare l'hélicoptère.
Darrow a été aperçu en train de quitter un palace de Prague aujourd'hui. Salut Jensen. Le patron m'a prévenu de ton arrivée. Tu vas adorer Yangsha. Tu y es déjà allé ? J'y ai vécu. J'y ai passé 3-4 ans à travailler dans les quartiers chics le jour et à m'éclater dans des quartiers moins chics la nuit. T'es prêt à partir ? Oui, je crois. Ça va durer longtemps, Malik ? Tu parles du vol ou de tes folles nuits en Chine ? T'inquiète pas, on y sera en moins de 2. Monte. Jensen, si tu veux jeter un coup d'œil, on approche du joyau du Yangtze. C'est une blague. Mais comment je fais pour enquêter dans ce truc ? Hey, la plus forte densité de diplouche. Accroche-toi, on atterrit. L'adresse que t'as refilé ce mercenaire, Yangsha Court Gardens. C'est pas la porte à côté, c'est dans le quartier du Zhao. Mais j'ai pensé qu'il valait mieux ne pas te déposer trop près. Au cas où Barrett m'ait donné l'adresse en pensant m'attirer dans un piège. C'est le genre de choses que je ferai à un ennemi. Tu veux un conseil ? Trouve qui habite là et reviens.
Reste pas ici, la Hawaï. La ville est très dangereuse, surtout la ville basse. Il y a trop de gangs qui se battent pour la contrôler. Est-ce que vous savez comment aller au Hongrois? On sait qu'on est merveilleux sur toute la ville depuis un toit qui est juste sous le Pangu. Si tu es vraiment gentil. Tu sais bien que j'ai le vertige. Et puis, je n'aime pas beaucoup cette idée d'une ville au-dessus d'une autre ville, finalement. Attends, l'île n'est pas si grande. Hey, qu'est-ce que tu cherches, la Hawaï? Des armes? Je crois qu'avoir choisi de sous-traiter le maintien de l'ordre à Bell Tower est une chance pour changer. Je suis sûr. Tu peux le retrouver, hein. Franchement, n'hésite pas. J'ai besoin de prendre quelque chose dans mon appartement. Je m'en moque de votre opération. Laissez-moi passer immédiatement. Je peux pas, madame. Circulez, s'il vous plaît. Désolé, personne ne passe pour le moment. Comment osez-vous? Qui êtes-vous pour m'interdire de rentrer chez moi? Accès autorisé.
Accès autorisé. Transmet à Pritchard, Malik. Le pirate qui nous a attaqués utilise le pseudo Windmill. Son vrai nom est Harry Van Bruggen. Bell Tower a reçu l'ordre de l'arrêter. D'arrêter ou l'éliminer ? De toute façon, il a découvert que quelqu'un lui en voulait, et il s'est évanoui dans la nature. Il faut qu'on le trouve. Il y a une boîte de nuit près de là où je t'ai déposé, appelée le Hive, la ruche. Tous les truands du marché noir s'y retrouvent. Si ce Hollandais est en cavale, il y passera forcément. Je vais aller faire connaissance avec le propriétaire. Jensen, j'ai pensé que t'aimerais savoir où tu vas mettre les pieds avant d'arriver au Hive. Le proprio s'appelle Tang Si Hung, Tang étant son nom de famille. On dit qu'il est lié aux triades. Les organisations du crime organisé en Chine. Magnifique. Sans les triades, le tableau n'aurait pas été complet. Thank you.
y a quelqu'un qui me comprend, bordel. Comment je me suis retrouvé? Yaro, hein? Ni tsa oba. Moi, je vais pas aller tuer, non, gars. Très impressionnant ton équipement. Comme tu peux le voir, on n'a pas tous ta chance.